les informations sur la télé totalement vôtre. La décision de libération des 11 détenus politiques du juge d'instruction du tribunal de la commune 5 ne sera finalement pas appliquée. Le procureur du tribunal de la commune 5 s'est finalement opposé à leur libération. Ils seront donc fixés sur leur sort devant la cour d'appel de Bamako. Les détails dans ce journal. La population de la commune rurale de Sitakili n'est pas d'accord avec la dissolution du conseil communal de Sitakili par le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Elle a donc organisé une manifestation ce mardi pour dénoncer cette décision. La campagne du Hajj 2025 s'est officiellement lancée ce jeudi 19 septembre 2024 et pour cette édition, les tarifs restent les mêmes que la campagne 2024. Et voilà donc pour les sommaires. Un honneur de vous retrouver pour cette nouvelle page d'information. Bonsoir à tous et bienvenue sur la télé totalement vôtre. Comme l'année 2024, les préparatifs et les inscriptions des pèlerins pour le Hajj 2025 sont aussi anticipés comme l'ont ordonné les autorités saoudiennes. Ainsi, le lancement officiel de la campagne du Hajj 2025 par les autorités maliennes a eu lieu ce jeudi 19 septembre. Monta la wata. Le pèlerinage à la Mecque est une obligation pour chaque musulman ayant les moyens. Chaque année, des millions de fidèles musulmans vont en Arabie Saoudite pour accomplir ce devoir. Pour mieux préparer cet événement, plusieurs informations ont été données aux candidats de la campagne 2025. Pour les autorités, les préparatifs doivent commencer tôt pour minimiser les défaillances et respecter le chronogramme saoudien. Depuis 2 ans, les autorités saoudiennes nous donnent un chronogramme. Et il faut faire le lancement vite et il faut anticiper toutes les opérations liées au Hajj. Maintenant, les dernières minutes ne marchent plus encore le Hajj. Il faut faire sortir vite, il faut s'inscrire vite, il faut faire la formation vite, il faut faire la programmation vite parce que le visa est digitalisé et le visa est électronique. Le travail va continuer tous les jours, Inch'Allah, pour finir avec l'ensemble du processus d'ici le mois de mars 2025. Et pour faciliter le processus, la maison du Hajj ainsi que les agences de voyage comptent élaborer plusieurs stratégies. Les formalités administratives, des processus de visa, la formation des pèlerins et même la programmation de vol. Tout ça là, c'est vraiment maintenant c'est digitalisé. Ce qu'on demande des agences de voyage d'être beaucoup trop professionnelles. Travailler sérieusement, c'est toute cette année, c'est le pèlerin qui a le quota. Donc c'est lui qui a un pèlerin, il a un quota, quel que soit le nombre que tu as. Le coût du Hajj 2025 est toujours le coût de 2024 qui est reconduit pour le moment. Les agences de voyage et des fidèles musulmans ont pris part aujourd'hui à la conférence de lancement de la campagne du Hajj 2025. Face à ces acteurs, le ministre des Affaires religieuses a prodigué des conseils et a dit compter sur chacun pour le bon déroulement de la campagne de l'année prochaine. Allez vite avec les inscriptions. Il y a un autre système qui s'appelle le système de plateforme qui est instauré cette année pour éviter la distribution anarchique des quotas. Troisième chose, la transparence de la gestion. Sur instruction des autorités saoudiennes en charge du Hajj, les préparatifs et les inscriptions des pèlerins pour le Hajj 2025 connaîtra elle aussi une légère anticipation ainsi qu'une amélioration à travers la digitalisation. Les prix n'ont pas connu de changement. 4 166 425 francs CFA pour le secteur gouvernemental et 4 675 000 francs CFA pour le secteur privé. Dans le cadre de la 3e édition de la Semaine nationale de la réconciliation, le ministère de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale a procédé ce jeudi 19 septembre 2024 à la remise d'une enveloppe symbolique à la coordination et de gestion des crises et catastrophes afin de contribuer à la gestion des catastrophes naturelles dans notre pays. La cérémonie de remise s'est tenue au ministère de la Sécurité et de la Protection civile
En présence de notre reporter Gabriel Keïta, voici son compte-rendu. 25 millions de francs CFA, c'est le montant remis au Centre de coordination et de gestion des crises et catastrophes par le ministère de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale à travers le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Ces dons interviennent dans le cadre de la troisième édition de la Semaine nationale de la Réconciliation, dont le thème « Solidarité et unité nationale autour des victimes de l'inondation dans l'espace AES ». Par ce geste, le ministre de la Réconciliation veut contribuer à la gestion des crises et catastrophes qui sévissent actuellement dans notre pays. Ça va renforcer dans la vision d'apporter une appui symbolique, extrêmement symbolique, au ministère de la Sécurité, au projet du citoyen, pour mettre à l'encourager le travail du monde, mais aussi les aider à eux dans la façon dont ils fonctionnent. Donc, ce tableau est intervenu dans le cadre de l'Assemblée nationale de la réconciliation. Bien, et aussi pour magnifier le ministère de la Sécurité et des Développements, qui font un travail formidable, une vie publique, aux innovations. Le montant est simple. C'est un échec de 21 millions. J'espère que c'est un résultat de symbolique, pas seulement non seulement aidé l'État de ce projet à mieux fonctionner, mais aussi pas inspirer d'autres personnes à mieux aider le ministère de la Sécurité. Ce geste est salué à sa juste valeur par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile ainsi que le chef du Centre de coordination et de gestion des crises et catastrophes qui promet que bon usage sera fait du don. Vous avez eu l'initiative de dédier cette semaine de son action à M. le ministre de Touche et l'Environnement. Et il y a un département qui suit et qui sait ce que nous faisons. Je tiens à remercier M. Touché, très consistant, que vous venez de me mettre pour ces dossiers qui, pour le rappel, ne gèrent pas que les innovations, ils gèrent tout ce qui est une catastrophe. C'est une cérémonie très importante qui vient en appui à toutes les actions entreprises par le département dans le cadre de la gestion des inondations. Et compte tenu de l'importance même de la contingence actuelle, on a une forte volonté politique au niveau du département de la réconciliation qui se traduit par une thématique en lien avec les inondations et en lien avec l'assistance aux victimes des inondations. La cérémonie a pris fin par la remise du chèque géant aux bénéficiaires. Toutes nos excuses pour la qualité du son qui n'est pas la volonté du reporter. Et je vous l'annonçais tout à l'heure dans les titres, après près d'une semaine, le procureur du tribunal de la commune 5 du district de Bamako s'est finalement opposé à la libération des hommes politiques ordonnés auparavant par le juge d'instruction. Les 11 hommes politiques restent donc en prison et leur dossier sera désormais devant la cour d'appel de Bamako. Les explications avec Assiton Diallo. Arrêté le 20 juin 2024, alors qu'il participait à une réunion au domicile privé d'un d'entre eux, les 11 détenus politiques, membres de la coalition signataire de la déclaration du 31 mars 2024, avaient eu espoir de recouvrer leur liberté. En tout cas, si l'on s'en tenait à la décision du juge d'instruction du tribunal de première instance de la commune 5 du district de Bamako, qui avait ordonné leur libération. La décision avait été rendue le 9 septembre. Mais malgré la décision du juge d'instruction du tribunal de première instance de la commune 5 du district de Bamako, les 11 leaders politiques étaient toujours en détention, car le parquet devait se prononcer sur l'exécution de l'ordonnance. En effet, le procureur de la commune 5 avait une semaine pour se prononcer et le procureur général de la cour d'appel de Bamako a 2 semaines pour donner une suite favorable à la décision du juge ou faire un pourvoi. La décision du procureur est tombée aujourd'hui et malheureusement, il n'est pas favorable aux 11 détenus. Le procureur s'est pourvu contre l'ordonnance du juge. Donc, les 11 politiques restent en détention et le dossier est ainsi renvoyé devant la cour d'appel de Bamako. La dissolution du conseil communal de Sitakili par le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation est mal gérée par les populations de cette commune.
Ces dernières ont organisé le mardi 17 septembre 2024 à Tabakoto une manifestation afin de dénoncer la décision avec à sa tête Mbemba Sissoko. C'est aussi une manière pour les manifestants d'exprimer leur soutien et solidarité à leur maire déchu. Lolo Madibaté, de retour de Tabakoto, nous fait le point. Le 28 août 2024, le Conseil des ministres a annoncé la dissolution du Conseil communal de Sitakili pour des raisons de dysfonctionnement dans la gestion de la commune. Cette décision a provoqué un profond mécontentement au sein de la population locale, d'où cette manifestation de soutien et de solidarité avec le conseil municipal dissous. Selon les manifestants, la sanction infligée à leur maire est injuste. L'association Sigida Lakanta de Tabakoto et le regroupement des chefs de village félicitent les réalisations faites par le conseil communal de Sitakili. Nous prions humblement les chefs de l'État, son excellence, le colonel Assimi Goïta, le libérateur et son gouvernement, de permettre au conseil communal de Sitakili de finaliser les projets entamés, notamment dans le secteur de l'éducation, la santé, l'hydraulique, l'infrastructure routière, la formation et l'emploi des jeunes. Pour les manifestants, leur maire Mbemba Sissoko a toujours œuvré pour le développement de leur commune. Papa Kabarake, Halibi Alaka Kungotota de Aluma. Il a beaucoup fait pour nous. Nous ne pouvons pas laisser les autorités décider à notre place. Nous voulons qu'ils reviennent. Nous achetions 20 litres d'eau à 100 francs CFA. Mais avec Mbemba, l'eau est gratuite ici. Il a construit des centres de santé et beaucoup d'autres infrastructures. Nous ne pouvons que soutenir notre maire. Émis par cette vague de soutien de presque toutes les sensibilités locales, jeunes, femmes, vieux, élus locaux, leaders communautaires et même personnalités politiques, le maire dessus a exprimé toute sa gratitude avant de revenir sur les vraies raisons de la dissolution du conseil municipal. J'ai construit un lycée public, plus de 24 salles, 5 hectares. Le lycée, c'est en finition là où nous sommes. Dans chaque village, j'ai construit une école. 17 villages, chaque village, une école, 3 salles de classe, clôture, latrine. C'est comme une bloc dans chaque village. Donc, dans chaque village aussi, j'ai donné un forage, château d'eau. Dans chaque village aussi. Donc j'ai fait des infrastructures telles que les routes, les ponts, les infrastructures sanitaires, les SESCOM. C'est ce que j'ai dit, je ne peux pas tout citer quoi. La question qu'on se pose maintenant est de savoir si cette manifestation de la population de la commune rurale de Sitakili pour défendre son choix démocratique aura un impact sur la décision des autorités de la transition. D'ores et déjà, la délégation spéciale qui est appelée à être installée dans la commune risque de connaître de sérieuses difficultés pour travailler. Affaire donc à suivre. Par ailleurs, les inondations survenues dans le cercle de Blas ce mercredi 18 septembre 2024 à la suite des fortes pluies tombées dans le cercle la nuit du 17 septembre ont eu de graves conséquences. On déplore des pertes matérielles considérables, la destruction d'infrastructures ainsi que des risques sanitaires élevés. Amadou Diarra nous en parle. D'après nos informations, les localités touchées incluent la commune de Tchémena, le village de Nyonina, la commune rurale de Bla, le village de Farakala, la commune de Nyala, le village de Tcha, la commune rurale de Djena ainsi que le village de Djena. Dans la ville de Bla, l'eau a débordé le digue, submergeant la zone nord-ouest de la ville. Ces nouvelles inondations ont lieu alors qu'on n'a même pas fini de panser les plaies des primaires dans les localités. En effet, les 22 et 25 juillet 2024, les pluies diluviennes se sont abattues sur la ville de Bla et les communes environnantes, causant d'importantes inondations. Le bilan provisoire de la Direction régionale du développement social fait état de 9 700 personnes, 876 ménages sinistrés par ces intempéries qui ont également causé des dommages matériels conséquents. Et en plus des inondations causées par les pluies diluviennes à travers le pays, plusieurs villages riverains
du fleuve Niger et du Bani sont également inondées et d'autres sont menacées d'inondation par la montée rapide des eaux du fleuve, comme quoi les fleuves aussi se déchaînent. Le point avec Lassine Djakiti. Après les inondations engendrées par les pluies diluviennes qui ont frappé le Mali cette année, le pays doit aussi faire face à la crue inquiétante des différents fleuves du pays. Selon les rapports du service de l'hydraulique, le niveau d'eau du fleuve a atteint les 635 cm à la date du 17 septembre 2024 à Koulikoro. Dans ce rapport quotidien, l'hydraulique informe que le niveau d'alerte critique de la crue a été dépassé de 10 cm à Bamako, 14 cm à Soufara et 15 cm à Mopti. Le rapport indique par ailleurs qu'une légère baisse est constatée sur le fleuve Niger, tandis que la montée des eaux continue sur le Bani. Cette situation a déjà causé l'inondation de plusieurs villages riverains et menace plusieurs autres. Dans la région de Ségou, plusieurs villages Bozo sont inondés par la montée des eaux du fleuve Niger. Il s'agit notamment de Nankré, Sama, Brakabuku, Senembuku, Kolongo, Boza et Noé. Les populations de ces localités, totalement dépassées par la situation, lancent un cri de cœur aux plus hautes autorités du pays, les organisations humanitaires et les personnes de bonne volonté. Dans ces localités, la majorité des constructions sont en banco, ce qui explique la montée très élevée d'habitations détruites. Pour limiter les dégâts et ralentir l'inondation des villages, les populations sont en train d'installer des dingues de fortune avec des sacs remplis de terre. Cette technique a déjà montré ses limites face à la montée rapide des eaux du fleuve. Parlant toujours des conséquences de la forte montée des eaux, il a été enregistré le mardi le chavirement de deux pirogues à Gossi, des morts et plusieurs personnes ont été portées disparues selon des sources locales. On en sait plus avec Alamakou Diabati. Suite à une forte pluie accompagnée de vents violents mardi vers 16h, des pirogues ont chaviré le mardi dans la localité de Gossi. Selon le bilan provisoire communiqué par les autorités locales, on évoque au moins 8 morts et plusieurs portées disparues. Les corps repêchés le jour même de l'accident sont de 3 hommes, 2 femmes, 2 filles et 1 enfant. Les recherches ont continué hier et ce matin pour retrouver d'autres corps. Ce drame intervient après un autre qui a eu lieu il y a quelques semaines dans la région de Koulikoro. 9 orpailleurs ont péri dans le chavirement de leur embarcation sous une forte pluie. Il faut dire que les pluies de cette année font beaucoup de dégâts. On a dénombré plus de 65 morts et des centaines de milliers de blessés, ainsi que des milliers de maisons détruites. Et voilà, cette édition est terminée. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Grand merci à vous également de l'avoir suivi. Demain, vous serez avec Emmanuel Koulibaly. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Le Mali, au cœur de toutes nos aspirations. Prions ensemble pour ce pays, comme nous prions pour nos époux, épouses, enfants et parents. Car sans famille, difficile de parler de pays et sans pays, difficile de parler de famille. Bonsoir et à très bientôt.